Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour la suite de nos aventures sur une agriculture biologique. Et donc du coup aujourd'hui messieurs dames, j'ai commandé un petit épandeur à fumier et une petite tonne à lisier également. Donc on va pouvoir aller prendre ce qu'on a. Et il y a eu d'autres choses aussi, j'ai racheté un champ depuis la dernière fois. Donc du coup je crois qu'on s'était laissé sur l'achat de cette parcelle là. J'ai acheté l'autre qui est plus basse, donc la parcelle numéro 1. J'ai remis du blé dans les deux champs, oui tout à fait. Et ensuite j'ai pour le côté RP, j'ai demandé une réorganisation de prêts. J'ai fait un échange avec d'autres agriculteurs, évidemment entre guillemets. Hein, vous savez que moi et le RP ça fait deux. Alors du coup j'ai revendu les trois parcelles de prêts qui étaient très loin. Et j'ai racheté la parcelle qui est derrière le hangar. Voilà, tout simplement. Donc on peut dire un échange, voilà, pour rester poli. Donc petit échange de parcelles. Donc on a les deux prés maintenant qui sont derrière le hangar. Et donc on a également une nouvelle parcelle à cultiver. J'ai mis du blé dedans. Voilà, un petit peu pour les changements depuis la dernière fois. Ah, tu veux pas mettre les tuyaux? D'accord. Excusez-moi monsieur, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, il veut pas brancher, on verra ce que ça va donner. Et donc du coup on va aller prendre ce qu'on a. Alors du lisier j'en avais déjà emmené, je crois que c'était en début d'année si je vous dis pas d'annerie. Donc du coup on doit pas en avoir beaucoup, mais au moins on aura le matériel. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. On va y prendre ce qu'on a, on va mettre ça sur le pré. Et puis on verra plus tard. On pourrait épandre d'autres choses, donc on va déjà épandre le lisier et ensuite on va se mettre à épandre le fumier. Je sais pas si j'ai bien fait de prendre ce chemin là, c'est un peu la zermie ici, on roule tranquillement. Au moment de se faire squiller les miches. Oui, parce que dans ce fucking chemin de Seymour, c'est assez violent comme ça se coule. Donc on va essayer de se débrouiller. Putain. Alors pour épandre, je vous avoue que, à mon avis, on va se mettre en vue extérieure. Je pense. C'est rare que je vais le faire dans la série, mais à mon avis, on va se mettre en vue extérieure. C'est difficile d'épandre en vue intérieure. Je vous avoue que voilà, on fait comme on peut, hein, mais c'est très difficile. Du coup, j'avais ramené les bottes de paille ici, et puis voilà, globalement, ce que j'ai fait, c'est déjà pas mal. J'ai pas mal bossé. On arrive à 106 heures de jeu, donc ça commence à faire. Hein. Ça commence à faire. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Déjà bien, bien bossé. Allez, en avant Guingamp, rempli le bordel. À cul. Là, j'en avais un peu quand même. J'ai même pas regardé ce que j'avais, je vous avoue que... Ah si, j'ai acheté une cuve à lait aussi. Ah oui, je comptais faire un peu de vente aujourd'hui. Je sais pas si on va avoir le temps. Mais évidemment, comme je suis tout seul sur la partie, sinon je me serais débrouillé. Oh, j'ai touché. Putain, je me rappelais plus qu'elle était là. La cochonne. On aurait été plusieurs sur la partie. J'aurais fait peut-être une petite scène histoire de. En mode, on regarde le laitier qui vient chercher le lait. Évidemment, je suis tout seul. Donc, on va faire comme ça. Et je voulais pas embêter Papy ni Maki avec ça. Donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y. On va faire tranquillement tout seul. Et puis voilà. Donc, j'ai acheté la cuve qui est là, d'ailleurs. Je l'ai pas rentrée. Hein, c'est un dolly. J'ai essayé de la rentrer ici à côté de la paille. J'ai pas pu. Hein. Ah, ça m'a énervé, j'ai dit vas-y, reste là dehors, t'es bien, tu gênes pas. Donc du coup, la parcelle d'herbe, c'est celle qui était ici, évidemment. Donc, puisque c'était pas considéré comme une parcelle, mais comme du pré naturel, j'ai relabouré, ramassé les cailloux, semé, roulé, et j'ai mis de la chaux. Je rappelle que, enfin, des connaisseurs en bio parmi vous m'avaient dit sur la première saison qu'on a le droit d'utiliser de la chaux IRL quand on est bio. Donc j'ai pas oublié le conseil évidemment. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai fait. Et puis ouais, j'ai pas trop mal bossé. Je suis assez content. Donc du coup, on va mettre ça sur le pré. Est-ce qu'il a recommencé à repousser? Je me rappelle plus. Est-ce qu'il s'est passé un jour? Je crois pas. Non. Bon là, voilà, comme j'ai dit, j'ai pas trop le choix, je n'y arrive pas. Sinon. Je suis vraiment désolé, je n'y arrive pas. Quoique si, peut-être en prenant le modèle, attendez. Ouais, non, allez, on va rester comme ça. C'est pas souvent. Donc on va rester comme ça, tant pis. Parce que autrement, je sais pas. En fait, c'est déjà difficile d'avoir du lisier et du fumier.
Donc si en plus de ça je croise et puis j'en mets pas dans la moitié du champ, bon, vous avez compris le truc, hein. En gros, c'est dommage quand même de bouffer le peu de lisier de fumier qu'on a actuellement. Donc j'aime autant faire en vue extérieure et puis tant pis, hein. C'est pas grave. Si pas grave, c'est pas grave. Parce que je crois qu'avec une cuve on fait pas tout le champ, je crois pas. On doit faire la moitié du champ, il me semble. Me semble-t-il, si je vous dis pas d'un rien, on doit faire la moitié du champ. Quoique, on est déjà pas loin de la moitié, je pense. Ouais, bah peut-être les trois quarts alors. Je me rappelle plus exactement combien on fait du champ. Mais voilà, j'aime autant faire en vue extérieure et puis. Pour éviter de bouffer notre produit. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Hop. Et donc, du coup. On va pas pouvoir tout faire, évidemment. Il va falloir reviendre. Puisque le champ est bien sûr en pointe. Donc ce qu'il y a sur la remorque là-bas en enrubanné, je vais le vendre. J'ai pas trop chargé, hein, doutez-vous bien que j'aurais pu faire. Parce que, en gros, je vais vous montrer, mais j'en ai ramassé pas mal pour l'exploitation. De toute façon, il m'en fallait, évidemment. Mais j'aurais peut-être pu, pardon, en vendre un peu plus. Enfin, c'est pas ça que je veux. J'aurais peut-être vu en, pu en vendre un peu plus, je vais y arriver. Mais du coup, après, si ça fait une remorque à deux rangs, sans la clé, disons que je te déconseille. Alors, je pense que ça doit se faire IRL, mais ça dépend des remorques. Mais à mon avis, je te le déconseille IRL de le faire ça. Parce que, y a de fortes probabilités que. Alors, je voulais pas faire plus. Je vais y arriver. Il y a de fortes probabilités que tu éclates les roues, hein, si tu mets deux rangs comme ça. Du coup, j'ai mis un rang la clé. Je pense qu'IRL, ça se fait. J'en ai déjà vu charger plus que ça d'ailleurs. Mais en l'occurrence, la personne que j'ai vu charger plus que ça, il a éclaté à côté du village de mon père. Et il a fallu qu'on aille le dépanner, je me rappelle. Donc bon, voilà. Déjà là, ça me semble beaucoup. Mais avec encore plus que ça, voilà. Faut pas déconner quand même. Faut pas chercher le caca non plus. Hein. C'est déjà pas mal. Et puis voilà. Donc là, bon, on continue hein, tranquillement notre petit bonhomme de chemin. Je vais voir suivant le temps qu'il faudra pour moissonner parce que je rappelle que ce coup-là on a quoi? On a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 parcelles. Donc je vais peut-être voir pour acheter une machine. Hein. On va bien voir le temps que ça prendra l'année suivante, mais à mon avis, on pourrait bien partir sur une machine d'ici peu de temps. Parce que ça va commencer à faire quelques heures. Hein. Pour pouvoir moissonner. Après, j'ai envie de dire tant mieux parce que je voulais justement faire moins de bois, étant donné que le bois, on va pas dire c'est bullshit, mais ça fait partie du jeu, hein, ça fait partie du truc. Disons qu'IRL, tu feras pas des milliers d'euros comme ça avec le bois, hein, sinon il y en aurait déjà plein qui seraient dessus. Donc voilà, disons que j'ai acheté une parcelle de bois histoire de faire du bois, mais. Ah putain, j'ai plus rien dedans. Bon, on va la rentrer pour 160 litres, c'est bon. Donc du coup, je vais vous montrer ce. Voilà, donc j'ai empilé quelques bottes, hein, quand même. Et donc du coup, les bottes de paille, je les ai mis en bas parce que je me suis dit, bon, fait chier, il faut les redescendre, les remonter, les redescendre, les remonter, c'est dommage. Où j'ai de la place parce que c'est vrai que je suis en train de bouffer un peu toute la place avec mes cochonneries là. Je vais la mettre là, je pense. Je vais la mettre là. Allez, en avant Guingamp, on va reculer ça là, tranquillement. À essayer et puis on va aller chercher notre répandeur à fumier tranquillement, puis on va charger un petit peu de feu d'ailleurs. Le fumier, je ne sais pas combien qu'on a, on doit pas en avoir terrible non plus, mais bon, je me dis tout ce qui sera épandu c'est tout ce qui rapportera un peu plus, donc c'est pas. Ah, j'ai accroché un petit peu les palettes, hein. Ah oui, je le sens. Ah, buggy. On va se mettre comme ça, hein, plutôt. Hop. Ah, donc du coup, elle dépasse. Bon, c'est pas dramatique, mais. Là, c'est juste. Hein. C'est juste, c'est juste. Ok, eh ben, on va chercher les pendeurs à fumier tranquillement. Et puis voilà. On va pouvoir tranquillement commencer à amener du fumier. Et puis, je sais pas où on en sera. Après, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller vendre le lait. Alors maintenant que j'ai la cuve, il est vrai que suivant les exploitations, il y en a qui sont ramassés tous les jours et d'autres tous les 2 jours.
Disons que comme on donne de l'ensilage, enfin du produit fermenté, c'est du standard, donc je dirais tous les 2 jours. Donc tous les 2 jours, il faudra que j'emmène le lait, histoire de faire. Même si, bon, bah, c'est pas le laitier qui vient chercher et c'est nous qui allons l'emmener, mais tous les 2 jours, il faudra que j'emmène le lait. Enfin, tous les 2 jours, je me comprends, vous savez que c'est un jour par mois pour l'instant dans le jeu, donc du coup, bah, tous les 2 mois, voilà, on va dire tous les 2 jours plutôt, il faudra que je l'emmène, donc il faudra que je m'y attelle correctement, histoire de rester dans le thème de la série. Évidemment. Alors, pour ceux qui se posaient la question, c'est vrai que vous savez, j'ai fait la vidéo projet pour cette année. Et pour ceux qui se posaient la question, donc John, pourquoi ne pas coupler la réaliste avec la biologique? C'est un peu déjà ce que je fais, sauf que c'est en bio. C'est parce que les autres, ils aiment pas jouer en bio. C'est pour ça que j'avais lancé d'ailleurs la saison 1 en solo. C'est parce que les autres, ils aiment pas jouer en bio. Donc c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. Et ça date déjà depuis le 19, cette histoire. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Voilà. Tout simplement. Donc une agriculture réaliste, ça arrivera. Bah quand ça arrivera, hein, évidemment. Je n'ai pas 4 bras. Et j'ai pas la map. Et je ne sais pas qui veut y participer. Donc a priori. Merde, c'est trop long. A priori de ce que m'a dit papy, il la ferait avec moi déjà. Pour les autres, j'ai pas posé la question. Après, j'ai pas posé la question parce que c'est pas tout de suite, quoi. C'est pas pressant. C'est ça que je veux dire par là. Il n'y a rien de pressant. Hein, du genre là, on a 3 séries, plus les présentations de map qu'on reprit. Une fois qu'on basculera 2 séries, il y aura les présentations de mode. Et puis, une fois qu'on n'aura plus qu'une série, dans l'idéal, ce serait. J'ai mis trop les phares. Dans l'idéal, ce serait de lancer la série sub. Ou si on n'a pas la map appropriée, puisqu'il faudrait que je vois ça avec vous à ce moment-là. Peut-être à ce moment-là, on lancerait une agriculture réaliste. Mais voilà, tant que j'ai 3 séries, c'est pas possible. Même 2. J'avais dit que je voulais. Enfin, j'avais dit que pour ce FS22, je voulais faire ça correctement, pas bâcler les séries. C'est-à-dire faire 20 épisodes et 11 barres. Comme on faisait sur le 19, parce qu'on voulait en voir un maximum. Donc là, j'avais dit que je voulais faire plutôt bah, pousser plus une série que de la bâcler. Donc du coup c'est ce qu'on fait actuellement. Mais je veux pas non plus avoir 3 séries sur les bras comme c'est déjà arrivé. Et là bon bah là cas extrême, on va dire ça comme ça. C'est plutôt cas de force majeure, on en a 3, alors qu'on devrait en avoir que 2. Bon ça après ça a été l'histoire avec Internet et tout. J'ai pas pu faire autrement. Donc c'est 4 forces majeures, mais sinon voilà, je voulais pas être à plus de 2. Maximum, enfin déjà j'en voulais qu'une, mais là avec la série du DLC, on en aurait normalement, je vais y arriver, on aurait dû en avoir que 2. Et là, bon, bah voilà, hein, vous avez compris ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas fait exprès si on en a eu, si on en a eu plus de 2. Donc voilà, ça se fera, bah, ça se fera en temps voulu. Après, la coro, moi j'y joue pas beaucoup, donc enfin que en vidéo actuellement, donc j'ai envie de dire la map elle me saoule pas quoi, parce qu'évidemment je suis pas dessus. Mais je pense que la première qu'on aura fini, ce sera probablement le DLC platin, ça c'est sûr. Et pareil, c'est ce que j'ai dit à papy. Bon, moi ça me gêne pas pour le moment, mais il y a de fortes probabilités que on ne fasse pas tous les ateliers de la Coro avant de quitter la map, parce que ça va faire beaucoup quoi. Ça fait beaucoup, puis ça va faire surtout super longtemps. Hein, je veux pas bâcler les séries, mais je veux pas rester 1 an sur la même non plus, tu vois. Même si c'est loin de durer 1 an, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça fait quand même un sacré moment qu'on a attaqué la Coro, et il y a eu des choses qui ont fait que bah ça avance tranquillement dessus, hein, d'autant plus qu'on a commencé en difficile, mais j'ai pas envie qu'elle dure par exemple jusqu'au mois de juin, quoi, tu vois. Évidemment, je pense que c'est assez compréhensif qu'on changera à un moment donné. Après, voilà, papy il s'en fout. Donc. Papy il s'en fout. Alors je ne sais plus combien on met dedans. 4 tonnes je crois, enfin 4 000 litres, c'est vrai que voilà. Il est vrai qu'on parle en litres sur farming, évidemment. Bon, je pense que c'est pas trop mal, hein. Déjà là, je doute fort que ça fasse très réaliste. J'en doute fort, putain, faudra que je lave les tagazes, faudra que j'achète un Karcher. Alors ça me fait chier parce que c'est pas très réaliste de placer un Karcher. Je l'ai chez Motor le faire hors ligne. Disons qu'on le... Voilà, on se retrouvera, on dira qu'on a fait comme si on l'avait acheté, évidemment.
Bon, on va aller jeter ça là-bas. Alors, j'ai pris un tout petit, c'est vrai que j'aurais pu prendre mon épandeur préféré, le Briri en 13 mètres cubes, je crois. Mais là, étant donné qu'on n'en a pas beaucoup, qu'on a du petit matériel, faut pas non plus abuser. Évidemment. Évidemment, évidemment. Donc du coup, voilà, j'ai dit je vais prendre le petit. En plus, les champs ou prés que je vais épandre, c'est tous ceux-là. Je vais pas m'amuser à aller plus loin. Donc on verra plus tard. On verra plus tard, on verra plus tard. Et suivant ce que ça produira, si ça produit pas tant que ça, ce qu'on fera, c'est qu'on achètera peut-être une seconde exploitation où on mettra des vachetières. Ça peut se faire aussi. Ça peut suffire. En fait, ça dépend de où j'en serai dans l'avancement de la partie, premièrement, et suivant aussi mon envie. Comme j'ai dit, je veux pas bâcler une série, mais là, en l'occurrence, ça, celle-là, elle me demande quand même une tripotée de boulot, puisque je joue qu'à celle-là, en fait. J'avance, enfin, moi, je fais que celle-là, et je n'arrête pas beaucoup, d'ailleurs. Donc, du coup, voilà, je veux pas non plus. Alors, je veux pas faire que la moitié de la série, mais voilà, comme j'ai dit, je veux pas y rester non plus 6 mois. Donc, ben, je trouve qu'on avance pas trop mal. On a du petit matos, certes, pour l'instant, évidemment, ce qui est normal, mais moi je trouve que je burine quand même pas mal. Hein. On rend pas compte comme ça en jouant un petit peu, mais je trouve que ça avance quand même pas trop mal. On va essayer d'épandre ça. Je sais pas ce que j'ai branlé là. Ah oui, mais c'est en tournant, évidemment. Alors, IRL, je vous déconseille sans cardan grand angle, hein. D'épandre en tournant. Hein. Ça, c'est un conseil. Bon, ça, même si normalement tous les agris savent, je vous déconseille d'épandre en tournant. Sans le cardan grand angle, parce qu'autrement, bah, le cardan il va faire quick-quick. Eh oui. Si le cardan fait quick-quick, bah c'est loose. Hein. T'as plus qu'à changer de cardan. Si tu pètes rien d'autre, ça va. Mais sinon, t'as plus qu'à changer de cardan, mon pauvre. Bon, on va se rendre à la deuxième parcelle. On risque de pas en mettre beaucoup, je pense. Ça dépend de ce qui reste dans le tas. Mais ça sera déjà pas mal, on a déjà rien de fait. C'est plutôt ça un peu. Allez, en avant Guingamp. On va faire au mieux, hein. Une fois qu'il y en a plus, ben, il y en a plus. Hein. C'est juste lise. On fait avec ce qu'on a. Je vais pas m'amuser à acheter du bordel. D'ailleurs, j'ai pas le. Ben, comme on est tout d'origine à ce niveau-là, je peux pas acheter de fumier puisqu'on n'a pas ça. Mais je comptais pas non plus en acheter. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de mode en tout genre. Ben, je précise au cas où parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui savent un peu tout là-dessus. Mais j'ai pas forcément besoin de d'autres modes, disons. J'aime autant faire avec ce qu'on a et puis un peu comme je fais IRL en fait. Nous on fait globalement avec ce qu'on a. Bon alors on achète de l'engrais IRL évidemment, quoique l'an dernier non parce que l'AMO étant à je réfléchis, c'était à combien l'AMO l'an dernier? C'était à 1000 euros la tonne, je crois. Il me semble un truc dans le genre. Du coup, on n'a rien acheté du tout, mon sbi. Et puis c'est très bien allé comme ça, puis finalement on a eu tort puisque on en a parlé pendant un live. On voit ce qu'on va payer l'année prochaine en impôts, puis à la MSA, on aurait peut-être eu mieux fait d'acheter un peu d'engrais quoi. Mais bon, ça. Cette année, on va pas se faire couillonner, puisque. Enfin, cette année pour l'année prochaine, parce qu'on fonctionne un an en retard avec les impôts, nous. En agri. Et 2 ans avec la MSA. Quasiment 2 ans avec la MSA. Cette année, on va commander de l'engrais, peu importe le prix, et puis c'est tout. Et puis c'est tout, et puis c'est tout. Fais-toi chier à faire des économies d'un côté pour te faire enfler de l'autre. Tu vois, ça c'est. Ah, c'est la France, hein. C'est la France, c'est la France. Du coup, on va stopper là, messieurs, dames. Je vais charger juste ça. Je vais finir ça tranquillement de mon coin. Et puis, faudra que je vende le lait, ou alors on se retrouvera peut-être pour faire un peu de vente. C'est vrai qu'on n'en a pas fait encore. Genre vendre de lait, etc., etc. On sera peut-être ça. Et puis voilà. Du coup, eh ben on se dit à ce soir pour le live. Moi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez la vidéo en soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!